Marc Vera est artiste, spécialiste des réseaux numériques et œuvres hypermédia, maître de conférences en art et sciences de l'art à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, membre du laboratoire LLCETI, chercheur associé à la chaire de recherche UNESCO-ITEN, innovation, transmission, édition numérique, responsable de l'atelier laboratoire IDEFI Creatis Hypermédia, Hypermédia et création artistique, délocalisé à Malte, responsable de la collection texte et images. Donc avant juste de commencer, je voudrais continuer un peu la présentation de Florian. Parce que Florian non seulement est un étudiant qui a travaillé avec nous, mais il vient de remporter le grand prix création d'entreprise à Paris. Hein, donc c'est pour ça qu'il est dans un incubateur maintenant avec, dans le Grand Paris. Et donc ça me fait très plaisir qu'il ait pu aussi participer à ce colloque. Mais c'est aussi pour montrer que en fait, tout ce qu'on l'on fait ici et par rapport à tout ce qui est organisé autour du master RIM et RAM hein, auquel on fait référence ici puisqu'on est dans les locaux, ça peut mener aussi à des créations d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de créer des choses un petit peu nouvelles. Et après, on voit bien que le tissu économique, le tissu artistique et culturel, bien sûr, mais le tissu aussi économique peut après générer, nous inclure dans une nouvelle forme de société. Hein, c'est pour les étudiants qui sont là. Il ne faut pas avoir peur de créer ces nouveaux dispositifs et de s'affronter aux outils numériques, bien sûr, en faisant référence à des choses plus anciennes. Alors... Donc j'ai présenté un travail qui n'en est encore qu'à son gameplay, ou synopsis du gameplay. Il va se diviser à peu près en trois parties. La première partie prolonge d'autres communications qui ont eu lieu sur la question du corps extérieur. Alors, la deuxième partie sera plus la présentation de ce gameplay, et puis après je tenterai une espèce d'ouverture de mêlée sur une question de la mémoire externalisée. Alors je voulais encore une fois remercier Vincent Siciliato et toute l'équipe du CIREC. Et puis on essaiera de faire aussi bien pour vous accueillir l'année prochaine à Chambéry. Hein, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais en tout cas, on essaiera de faire tout ce qu'on peut. Bizarre, ça. Hyper drôle. Il y a eu un petit couac assez étrange. Donc ce projet s'appelle IRIL. Alors, dans un livre paru en 2017, The Thing, le philosophe Dylan Trigg nous interroge sur ce que peut être une phénoménologie de l'horreur. En se posant la question, à contrario de ce que finalement défendrait Maurice Merleau-Ponty dans l'idée d'une figure unifiée et harmonieuse entre je et moi, d'un je qui parle de moi, par moi, pour moi, mais depuis un en dehors de moi. Car explique Dylan Trigg, ce qui est négligé dans la recherche phénoménologique, c'est le type du corps, la nature du corps. Le corps étant considéré, dans Merleau-Ponty et ses suiveurs, comme une sorte d'objet d'harmonie, une figure dense, exemplaire, unifiée. Mais peut-on imaginer le corps avant l'humanité? Comment le corps peut-il exister sans moi? Dans La Mouche, de David Cronenberg, on voit une analyse très claire et formidable dans la façon dont la subjectivité humaine, telle qu'elle est considérée, est définie par l'appareil corporel et est assujettie à de nombreuses influences. L'horreur génère une reperception de la nature du corps humain. Dylan Trigg parle de co-inhabitation de la pensée dans notre propre corps. Alors comment faire une expérience du monde, d'un « je » qui parle au monde à partir d'un corps qui n'est plus vraiment le nôtre? Un autre moi au travers d'un autre moi, car la phénoménologie suppose que notre corps nous appartient alors que nous vivons constamment avec les technologies numériques dans une dualité phénoménologique entre notre corps et ce que nous en pensons, percevons, voire constatons. Ainsi, nous ne possédons plus de chez-soi phénoménologique primitif. En quelque sorte, cette enveloppe réunifiée où je pourrais parler sans contrainte avec moi, car je parle tout seul par le truchement des réseaux, qui va servir d'intermédiaire entre ce je et moi,
qui va communiquer quelque chose de ce moi, ne se traduisant pas nécessairement par la parole, et surtout sans que je sache pourquoi. Ainsi, nous subissons constamment des interruptions entre ce que nous supposons être une vie unifiée, dans un lieu unifié, entre ce que je pense de moi, c'est-à-dire les limites de mes membres, les mains que je vois s'agiter devant moi sans en deviner les épaules, et ses pieds qui s'échappent déjà un peu plus là-bas. Je devine un corps comme un étant donné, extérieur à nous. Mais il peut très bien nous revenir dans la figure, avec l'expérience d'une perception, la possession d'un corps autre, comme s'il était encore moi. Avec ces différents espaces qui s'entrechoquent, notre corps peut se représenter moi sous différentes formes. Tout processus de rationalisation, dans la façon où le récit de notre corps se déplie, mais après la princesse et son Mac, nous devrions plutôt désormais parler d'emboîtement, est impossible, c'est-à-dire visible, potentiellement à travers la confrontation de matériaux informationnels, et se revoir à travers ces e-spaces aboutit à des distorsions, à de profondes déformations. John Carpenter dans The Thing nous dit « Ceci n'est pas un chien, n'en déplaise à l'échec et Vincent, ceci n'est pas un chien, c'est une imitation. » Nous pourrions paraphraser que dans l'Iril, si je vois bien que ceci n'est pas moi, cette imitation parle moi. Dans ce face-à-face entre la personnalité de celui qui nous regarde, celui qui nous regarde comme visage, n'est plus seulement une question de physionomie. Nous l'avions déjà anticipé avec l'œuvre URSS, donc qui a été faite avec Franck Soudan, quand en 2010, nous avons commencé à reconstituer les portraits sociaux d'un certain nombre de personnalités ou de collectivités. Ceux-ci n'étaient pas en fait irréalisés dans une question de ressemblance au modèle, mais par la manière dont les liens constitués ou engendrés sur les réseaux et Internet produisaient des indices, les traces d'une présence, le contexte processuel d'une mise en figurabilité. Le sens de ces liens est leurs commentaires devenant leur idée signe aux yeux de tous. L'image signe désignée, puis leur portrait en 3D, installés in fine sur Google Earth, marquaient leur emplacement supposé, leur point d'impact, leur présence au avec dans le monde. Dans cette incontournable société immatérielle en croissance exponentielle, les programmes conçus, recyclant toutes ces informations utilisées comme matériaux artistiques, l'œil de la machine URSS
devenait ainsi source d'un savoir pour nous revoir. Alors ce travail est aujourd'hui terminé. La dernière mouture de cette constellation URSS a pris forme avec ce qu'on appelle le projet FFF, qui est associé à un autre projet F-Connexion. Alors je vais vous en parler quelques minutes, parce que si vous voulez y participer, bien sûr, ça vous pourra vous éclairer sur la manière dont ça fonctionne. Donc FFF, en fait, on vous demande l'autorisation de siphonner votre mur Facebook, qui est transformé en 314 points, en faisant référence à Pi, pour créer une espèce de planète, qui sélectionne de manière algorithmique un certain nombre d'éléments et surtout leurs commentaires, c'est-à-dire comment ces éléments dans votre mur font sens par rapport à la manière dont ils sont liés aux autres et à la manière dont ils ont été likés, commentés, etc. Alors ces 314, ces éléments sont transformés dans une surface algorithmique, hein, comme on la voit ici, et cette surface algorithmique prend en fait une place dans une sculpture sociale, hein, qui ressemble beaucoup, alors on a parlé des peaux d'oignons, etc., parce qu'évidemment, cette sculpture sociale aussi dépend de la machine avec laquelle elle est créée, et donc dépend de la définition écran, hein, qui retranscrit cette fonction de transformation en 314 points. Donc ça paraît un peu obscur, mais voilà comment fonctionne FFF, et FFF est associé à F-Connexion, qui est un peu la même chose, mais à partir de lettres, de lettres postales diffusées dans l'espace public, qui reviennent et qui créent aussi à partir des réseaux, un réseau dans le réseau. On vient de régler un bug qui n'était pas du tout apparent par rapport à FFF, hein, c'est-à-dire qu'on vient de s'apercevoir que certaines personnes ont reparticipé à FFF, hein, dans la nouvelle version qui va être présentée à Malte, et leur certificat qu'on a vu apparaître tout à l'heure à l'écran, leur certificat, ce n'était pas le certificat de cette nouvelle version qui apparaissait, mais le certificat de l'ancienne version. C'est-à-dire qu'en fait, la machine et la machine Internet allait chercher l'ancienne version du certificat, qui existait encore, mais dans une base de données sécurisée, pour montrer ce qu'il y avait avant, ce qui était en train d'être fait. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que les machines aussi ont une manière de fonctionner qui n'est pas la même que nous. Alors pourquoi on a arrêté aussi URSS ? Alors c'est un peu ce que j'essaie de dire. Mais celui que nous voyons a rapidement immigré. Il déborde désormais de la machinerie pour s'apparenter dorénavant à un subtil processus de recollection, encore complexifié par l'utilisation des technologies numériques. Que ce soit dans les initiatives citoyennes de Ma Voix, l'œuvre de Carole Brandon, La Princesse et son Mac, déjà cité, ou même à travers des travaux plus anciens comme celui de Maurizio Cattelan, Il Superneuil, en 1993, également déjà cité, le rapport à notre visage passe résolument par la manière dont l'autre, avec tout un appareillage symbolique, articule un programme complexe de reconnaissance, mais qui n'est pas nécessairement relié à un ordinateur. Cet autre étranger reconstruit notre présence, nous impose simultanément son effet miroir qui n'est jamais réduit à la reproduction d'un modèle, pour nous permettre peut-être de regarder depuis derrière nous. L'expérience artistique devient alors un moyen indispensable de comprendre les mécanismes qui nous entraînent à nous tenir debout, postés tout contre cet autre nous-mêmes qui regarde l'écran du monde. Et on voit bien dans toutes les expériences qui ont été montrées comment finalement, ces processus expérimentaux nous entraînent à comprendre ce qui se passe avec, avec les technologies numériques. Alors pour ça, donc, j'ai eu l'idée d'un petit travail en VR, mais qui rejoint aussi les réseaux sociaux, qui s'appelle Iril, avec trois niveaux de jeu, hein, pour l'instant, qui prennent la forme d'un labyrinthe très très abstrait, et qui doit être parcouru en 24 heures. Donc on voit un petit Iril comme ça qui va se promener. Et cet Iril, on pourrait considérer que c'est une forme de personne A, alors qui est un jeu de mots avec persona bien sûr. Ainsi, celui miroir sur notre page perso, cet apprenti social, invente notre persona. C'est tout l'intérêt d'un film comme Her, où le personnage principal, remettant en jeu la vie sur sa vie à travers les réseaux, rencontre Samantha avec un petit S minuscule. Théodore Tombi ne peut que tomber éperdument amoureux de l'IA, car bien sûr, celle-ci ne devient en fait, en apprenant ce qu'il souhaite entendre, qu'un simple miroir miroitant
accompli de lui-même mis en abîme, à l'instar de la chandelle dans la Madeleine repentante de Georges Latour. Samantha est éblouissante dans ce rôle de celui que nous ne voyons. Vous êtes dedans, vous êtes devant. Alors, la personne qui rentre dans le jeu a 12 cartes, au départ piochées sur mon compte Instagram. Donc on en a vu quelques-unes apparaître dans les slides précédentes. Mais chaque joueur doit inventer une nouvelle carte qui sera en quelque sorte son pédigré. Et pour ça, donc, il doit s'affronter à quelque chose que j'appelle un idée-signe, c'est-à-dire finalement, à partir du travail qu'a pu faire déjà Abby Warburg sur la question du light fossile, comment un certain nombre de signes dépassent le processus culturel qui les remet en scène à un moment donné de leur histoire pour réactiver un certain nombre de signes indiciels déjà présents dans cet objet. Alors tout ça pourrait se faire assez facilement, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre un certain joker, on va dire. Il peut utiliser des personnes qui vont l'aider dans cette quête. Et pour ça, donc, j'ai réactivé 3 travaux de Carole Brandon, qui, à travers 3 murs Facebook, trois comptes Facebook de Carole Brandon, étant susceptibles d'être réalimentés par des indices, la géolocalisation des 3 princesses, puisque ce sont 3 princesses, est sans cesse modifiée dans Liri l'enjeu. Alors ces 3 princesses, quelles sont-elles? D'abord, il y a la princesse et son Mac, qu'un certain nombre de personnes ici déjà connaissent et ont pu apprécier la qualité. Il y a Pénélope, qui fait partie d'une performance que Carole Brandon a faite, qui s'appelle 24 heures Odyssée, qui est aussi une réactivation d'un mythe pendant 24 heures, où elle a tenté d'essayer de nous faire comprendre comment diriger un personnage à travers un mur Facebook. Et puis un troisième personnage qui va bientôt apparaître, qui s'appelle Mary Read et qui fait référence bien sûr à une femme pirate. Alors tout ça, bien sûr, c'est une instrumentalisation du travail de Carole Brandon, avec son accord, je le précise, mais qui ne dénature en rien le travail qu'elle a pu faire sur la question de l'espace flottant, hein, c'est-à-dire comment ces 3 contes sont des espaces flottants dans la manière dont ils vont retravailler. Alors chaque joueur peut relancer ses cartes pour avancer. Là encore une fois, je fais un clin d'œil à ce qu'a pu présenter Florian tout à l'heure, c'est-à-dire le film Summer Wars, hein, c'est-à-dire ce jeu comme ça japonais dont j'ai oublié le nom. Voilà. Carole le connaît très bien, et qui est un jeu de cartes et un jeu de plateau. Mais chaque relance doit être visible sur le réseau Facebook. Et puis tout ça pourrait se faire d'une manière très très soft. Il n'y avait pas un book, hein, c'est-à-dire un programme qui va être chargé d'analyser toutes les données qui sont remises en jeu. Cinq minutes, alors que j'ai fait... Mais mon compte Instagram est sans cesse réalimenté, ce qui empêche le book de décrypter tous les possibles. On va aller vite. Tout ça, bien sûr, ne vient pas de nulle part, hein. Ça fait penser à des choses beaucoup plus anciennes. Ce jeu enjoué est comparable, en somme, à un chevalier. Le but étant pour lui de délivrer au moins une princesse, pour exister, ou en quelque sorte faire visage. Encore faudrait-il être sûr, comme dans le tableau de Paolo Uccello, Saint-Georges terrassant le dragon, qu'elle souhaite vraiment être délivrée. Ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Avec ces 3 niveaux, ce jeu est comparable à un jardin où des embûches d'un bouc versus Donkey Kong nous entraînent, nous incitent toujours dans un faire-face à celui qui nous regarde. L'immonde se cacherait donc sous le bunker, My Portrait Social URSS. C'est Cyril qui se déploie en secret au regard de tous, car posté au seuil du visible avec les réseaux. Nous parlerons d'invisible et qui est plutôt difficile d'accès. Autonome, un peu comme les escaliers dans le château de Poudlard, l'école des sorciers où va grandir Harry Potter. Et comme l'ensemble du château ou ses occupants qui font miroir à la personnalité naissante du jeune héros, emprunter ce labyrinthe, c'est d'abord avouer la volonté d'une rencontre avec celui qui nous regarde, cette machine célibataire qui n'est pas moi mais que je façonne et qui en propose une ressemblance, avec celui que nous ne voyons, cet autre corps en moi, aperçu au détour dans les méandres de cette ressemblance, et qui fait réseau avec moi dans cet antre, on peut toujours penser à l'antre du dragon, je et moi.
Dans l'entrée, si ce jeu en jeu qui s'enfonce dans les entrailles du bunker, la couchette enregistrée trademark, va pouvoir bénéficier de quelques alliés, quelques autres irils donc, ceci reste à double tranchant, les atouts d'un ou un indiciel, ce que j'ai essayé d'expliquer avec les dessins. À l'instar de cartes de tarot, le processus peut sembler dérisoire. Je reste l'écrivain d'un mois, un peu comme Marcel Bouta-Hertz, écrivant sous la pluie. Je ne vais pas vous laisser juste la fin du film. Bon, ça, c'est étrange. Sally Bonne écrit dans les mots et les œuvres. L'artiste qui écrit explore l'envers des choses. Il connaît la fabrication des formes et des images. Il manipule les mots et les idées comme les couleurs et les matériaux. Il va, traversant les labyrinthes qu'il construit, se reflétant dans les miroirs qu'il dispose, creuser la plasticité de la langue. Il prend plaisir aux mots, se joue des discours et s'en sert, également comme d'une arme. Parce que le texte a lui aussi une fonction stratégique. Et cette fonction stratégique, c'est celle du regard dans l'expérimentation, qui va tout à la fois révéler les contraintes qui assujettissent le visage et simultanément lui redonne corps à travers une forme d'écriture numérique. Avec, dans, autour d'une plasticité des réseaux auxquels chacun est nécessairement confronté aujourd'hui. Cette notion de visagéité, inhérente à des questions esthétiques et éthiques, sociopolitiques et économiques, reflète toujours une forme de structuration de la mémoire. Comment celle-ci s'est retrouvée consignée physiquement sur un support externe? Externe au corps faisant rappel à cette mémoire. Le processus de reconstitution, nécessairement relié du corps à un dispositif d'enregistrement, s'affirmerait dans un système U plus ou moins complexe de codage, de schéma, de cartographie. Il serait ainsi déplacé par celui qui nous regarde dans un celui que nous ne voyons in et out, toujours avec, à partir d'un jeu d'informations. Peut-être un peu à contrario de ce que Gilles Deleuze écrit par rapport à cette question. Le visage n'aurait alors pour exister que d'avoir pour seule contrainte d'être d'abord externalisé par son propre corps support, d'être une enveloppe extérieure à ce jeu qui parle de moi, qui pense à moi, qui ressent tout ce que je ne peux pas dire de moi. Alors je voudrais remercier Nicolas Ducretet qui n'est pas là, qui travaille en ce moment à Malte sur un autre dispositif, pour avoir finalement apprivoisé Thomas la voix du Mac. On retrouve la princesse et son Mac. Et puis je voulais dire aussi que chacune des cartes, elle est créée d'une manière assez simple, un peu comme ce qui se passe, on va dire, avec le turc mécanique. Vous savez que les images, elles sont pas décryptées par des algorithmes, elles sont décryptées par des personnes dans d'autres pays qui traduisent ces images en texte. Toutes les images Facebook, Google, etc. Ça ne peut pas être fait par un algorithme, même si Franck est assez doué, il n'a pas réussi non plus à le faire. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, chaque carte est constituée à partir de ce qu'on peut décrire dans l'image et comment tous les hashtags qui sont nécessaires sur Instagram pour leur donner du sens sont les hashtags les plus utilisés. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous disposons de 5 petites minutes pour les questions. À nous. Parfait, merci beaucoup. Ah, mais il y a une... En fait, ça me semblait important parce que, évidemment, là, c'est la machine qui parle. C'est la machine qui traduit finalement ce que je lui donne à manger. C'est-à-dire comment je construis, je pourrais
être censé construire du sens, mais comment la machine l'interprète. Et c'est dans cette interprétation, finalement, de ce que l'on donne à la machine, qu'on va créer cette forme de dissension, de distorsion, de résistance, en fait. Si on donne à manger à la machine quelque chose qu'elle peut interpréter immédiatement, il n'y a aucun problème. On l'a vu déjà avec plein de choses, en particulier avec le portrait de Raphaël, etc. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans la construction, finalement, du discours, mais dans la manière dont la machine reçoit ce discours et l'écart qu'il y a entre la construction et la réception. Est-ce que ça va ? Petite remarque, moi, ce qui me semblait, effectivement, cette question de double lecture qui est la tienne sur ce texte-là qui apparaît et qui reprend le fonctionnement ou vice-versa, c'est effectivement cette imbrication entre des caractéristiques finalement de pensée qui se mutualisent à la fois. Donc on n'est vraiment pas sur la question du visage forcément, mais sur la question du portrait qui imbrique finalement des modes de fonctionnement de pensée de la machine, de l'humain. Et je trouvais ça assez éclairant finalement sur l'ensemble des pièces. J'ai participé également à cette... Cette image portrait, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je te posais hier la question du niveau d'indice, oui, dans la question de la visagéité, mmh, finalement. Parce que, évidemment, là, on n'a pas de portrait direct du tout, mmh, ni même de référence directe au portrait. C'est la manière dont... Alors, j'ai essayé de l'expliquer avec URSS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce à quoi vous ressemblez physiquement, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, d'ailleurs. Vous pouvez ressembler un jour à avoir une barbe, un autre jour les cheveux rouges, etc. Tout le monde s'en fout. Ce qui intéresse tout le monde, c'est la manière dont vous construisez des liens et des réseaux et les informations que vous disposez sur ces réseaux. Et c'est ces choses-là qui font qui vous donnent visage. C'est-à-dire que votre visage n'existe pas par avoir une quelconque ressemblance. Et c'est là qu'on pouvait se poser la question de l'indiciel. Mais la manière dont ce visage est d'abord une retranscription de liens. Alors on essaye de le voir avec la question de la reconnaissance faciale, mais ça dépasse de loin, parce que finalement la reconnaissance faciale c'est un processus judiciaire ou policier en étant surveillé et punir, mais c'est pas là le plus grave. C'est le plus grave, c'est qu'on s'en fout totalement de ce à quoi vous ressemblez. Non, mais là, quand je te faisais cette remarque, c'est pour faire la différence que soulignait Isaac Goldberg hier, effectivement, entre la question du portrait et du, mm-hmm, visage. C'est pour ça que je disais, effectivement, il n'y a pas de visage, mais il y a un portrait qui est là, sans visage, finalement. Personnellement, je le ressens comme ça, mais qui est un vrai portrait. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais... Pas nous, mais... C'est les liens qui sont faits dans l'espace des réseaux qui créent notre véritable visage. Voilà. Hein, donc, on a bien vu sur ces deux jours que finalement, ces liens qui sont... Alors, la dernière intervention, c'était plutôt sur l'épaisseur, mais on a bien vu que c'était une question d'espace. Oui. Et que cet espace, il est bien investi par les artistes pour rendre visible cette invisibilité des liens. Oui. Parce qu'en fait, dans l'utilisation quotidienne des réseaux et des réseaux sociaux, ces liens ne sont jamais visibles. Exactement. Donc, ils ne sont même pas conscients. Mais c'est... On est d'accord que c'est retourner là pour de ce que nous voyons, ce qui nous regarde, finalement, est de l'autre côté de l'écran, et l'artiste, son boulot, c'est de retourner. Alors, en fait, c'est ce que tu... Enfin, pour connaître un peu ton travail, c'est ce que tu détermines dans cette question de l'espace flottant. C'est-à-dire que tout le jeu de la visagéité du portrait serait dans cette épaisseur, hein, pour reprendre le mot tout à l'heure, c'est pour ça que le terme d'épaisseur, il était important. C'est-à-dire dans cette épaisseur qui sépare la machine du corps. Et c'est là que ça fait visage. C'est-à-dire dans ce qui est traçable et transmettable à travers ce que tu appelles un mouchard à biais. Est-ce que ça va ? Je vais répondre aux questions. Mais on pourra en reparler après. Bon, ben merci beaucoup. Merci.